Les Faux Monnayeurs, ça aurait pu être ce qu'on appelle un opéra dit grande forme en 5 actes avec 60 personnages. Ça aurait été très simple de faire ça, puisque simplement c'est à peu près l'ampleur du livre. Le texte des Faux Monnayeurs est assez abscon, je dois le dire. Je l'avais lu lycéen, puis je l'ai relu à l'occasion dans la préparation de cette œuvre. Et c'était quand même d'une difficulté à trouver toutes les histoires dans les histoires, la mise en abîme, etc. C'est le préambule. C'est pas possible de restituer un roman pareil sur une scène de théâtre en 50 minutes. Voilà. Donc il s'agit au fond plutôt que de restituer les Faux Monnayeurs, de s'inspirer des Faux Monnayeurs pour en délivrer au public une inspiration, peut-être une forme un peu, j'allais dire, fantomatique. Si vous voulez, on est plus dans le fantôme du roman, avec ce livret d'opéra, que dans la restitution du roman. Et en fait, je me suis plutôt attaché à la grande illusion, enfin une illusion totale d'un bout à l'autre, un système de jeu de miroir, on croit voir quelque chose, mais en fait c'est pas du tout ça ce qu'on voit, et le miroir se casse et forcément il n'y a rien, mais parce qu'il devait rien y avoir. Il y a énormément de personnages dans les Faux Monnayeurs, et là dans l'opéra c'est réduit à 4 personnages, et c'est vrai qu'on se demande pourquoi ces 4 là, et c'est les 4 principaux finalement. Édouard arrive d'Angleterre, il vivait en Angleterre, c'est un romancier qui a toujours des projets d'écriture, qui tient un journal dans les Faux Monnayeurs de Gide. On découvre surtout la psychologie et la pensée de Édouard, donc le rôle que je fais, par son journal. Il fait figure un peu d'aîné dans tous les personnages qui sont mis en jeu dans cette sorte de trame un peu bizarre et désorganisée que paraissent être les Faux Monnayeurs. C'est l'oncle écrivain qui vient d'Angleterre et qui vient finalement s'installer à Paris par amour pour une femme, Laura. Et cet oncle est attendu à la gare Saint-Lazare par son neveu, Olivier, qui a des velléités de poète, qui écrit, qui est un garçon assez brillant, très sensible. Je joue le rôle d'Olivier, qui est l'ami de Bernard, le neveu d'Edouard, le frère de Vincent, qui a mis Laura enceinte. À la suite de cette rencontre avec Olivier, il oublie sa valise. Cette valise est récupérée par Bernard. Bernard est un garçon qui vient de découvrir que son père n'était pas son père biologique. Olivier, il n'y a plus de doute. Mon père n'est pas mon père. J'en ai maintenant la preuve. Regarde, c'est mon amour adressé à ma mère. C'est bien de ma naissance qu'il s'agit. Moi, Bernard, profite en Dieu. 17 ans de mensonges. Le choc est brutal. Ne pas savoir qui est son père, guérit de la peur de lui ressembler. Bernard, c'est un adolescent qui a 17 ans, qui est au lycée, qui commence à découvrir l'amour, commence à découvrir les joies de la vie, et puis qui cherche à avoir sa liberté. Alors il est très torturé parce qu'il apprend que son père n'est pas son vrai père, et donc pour lui c'est une offense incroyable, et du coup il s'évade de chez lui. Et il commence à goûter à la vie. Le journal d'Edouard est quand même, comment dire, c'est la borne kilométrique de tout ce roman, de toute cette trame, quoi. Et à la limite, on peut dire de toute cette fugue. Laura, c'est le personnage féminin de l'opéra. Donc les hommes qui l'entourent tombent amoureux d'elle, essayent de la séduire. Elle est enceinte. Elle essaie de se dépatouiller dans toutes ces histoires d'hommes auxquelles elle ne comprend pas grand-chose. Tous les mécanismes étaient en place dans ma tête, j'attendais juste un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur a été la lecture d'un texte écrit par Peter Schneider,
Autour des faux-monnayeurs, il y a eu un mot qui a tout déclenché, ça a été l'art de la fugue. Il a poussé quelque chose au maximum, au degré ultime de l'hermétisme, jusqu'à en arriver à qu'est-ce qu'on fait après. Et donc, en fait, bah, ça a été, voilà, c'est très simple. L'œuvre est une espèce de revisitation de l'art de la fugue au travers du prisme des faux-monnayeurs. Donc, en général, une fois que j'ai dit ça, ça devient aussi incompréhensible que le roman. Quand on lit Les Faux-Monnayeurs, bon, déjà, c'est un ouvrage assez ardu. Pour pénétrer dedans, il y a une forme d'hermétisme qui résiste très très longtemps. Et une fois qu'on est dedans, et même une fois qu'on a terminé, on n'est pas sûr d'avoir vraiment compris ce que voulait dire Gide. Je me suis dit comment on pouvait transposer musicalement la démarche qu'il avait conduite à écrire Les Faux-Monnayeurs. Et en fait, je pense que la réalité qu'il fallait transposer en musique n'était pas la réalité du texte, mais la réalité de ce qu'on ressent, de ce qui se passe quand on lit ce texte, et je pense que c'est ce que Gide a voulu faire. Il a créé une très grande illusion. Je pense que personne ne pourra dire ce qu'il a lu en lisant Les Faux-Monnayeurs. C'est très étrange parce que finalement, je me dis que plus le temps passe, plus je pense à cette œuvre-là, et plus je me dis que finalement, Les Faux-Monnayeurs est une œuvre musicale par excellence, dans le sens où ce qu'on va ressentir n'est pas ce qui est écrit, mais le même processus qu'en musique, quand on entend de la musique, on ressent des choses par rapport à ce qu'on a dit, à ce qu'on a vécu nous, à ce qu'on est nous. Et ça passe, ça s'insère dans cette histoire complètement... Il n'y a pas d'histoire en fait. C'est bon, merci. Le côté fascinant de l'opéra, c'est que c'est une très très longue histoire, c'est une aventure humaine assez dévastatrice, parce qu'il y a proximité, parce qu'on pousse, on pousse tout à l'ultime, donc ça veut dire que même au niveau relations humaines, c'est un espèce de huis clos en fait, le montage logistique et la production d'un opéra, parce qu'il y a les chanteurs, il y a les musiciens, il y a le chef d'orchestre. Bon, là, le point le plus facile de l'histoire, c'est que j'ai trouvé très vite un chef d'orchestre qui est un très grand ami, Vincent Monteil, qui est tout de suite parti dans le projet. Il m'a dit oui, allons-y. Donc je me suis dit, on est quand même mieux à deux fous qu'un fou tout seul. Ce qui m'a séduit dans l'œuvre de Pierre, c'était d'abord ce très très beau texte d'André Gide, d'une part, ça c'est évident. D'autre part, la musique de Pierre, qui est une musique toujours très forte, très sensible au texte justement, qui fait appel à des énergies vitales, viscérales, je devrais dire même. Et puis son enthousiasme toujours pour porter des projets pharaoniques dans un langage justement assez moderne, à savoir il y a donc toute une partie électronique très importante et la présence de la vidéo. Donc un petit peu le mélange de tous les arts, le théâtre, la musique, la vidéo. Donc on est vraiment dans une œuvre multimédiale très contemporaine. Il méditait depuis quelques instants lorsqu'il vit s'approcher de lui un ange glissant d'un pied si léger. On sentait qu'il eût pu poser sur les flots. Il y a un quatuor à cordes, certes, il y a un piano, certes, donc les grandes références musicales de Gide, mais il y a aussi de l'électro. Et pas l'électro consensuel, intellectuel, avant-gardiste, etc., mais une électronique qui soit vivante, qui touche du monde. Parce que je pense que si on veut que les gens s'intéressent à ce qu'on fait, même de manière contemporaine, il faut peut-être s'intéresser aux gens. La présence d'une vidéo continue et d'un timing très très rigoureux dans l'œuvre fait que j'ai dû travailler avec une oreillette. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça pour pouvoir synchroniser effectivement la musique électronique, la vidéo et la musique vivante, celle que nous jouons sous ma baguette, je veux dire, avec les chanteurs et les musiciens. Voilà, tout le monde vient, puis on suit. Ouais. Bon.
Ce mélange aussi entre, on va dire, une grande modernité de traitement avec les moyens d'aujourd'hui, un opéra multimédia, il fallait aussi l'intégrer. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'on peut travailler avec un tulle en avant-scène, et comme si on voyait toute l'histoire dans une boîte, un peu rêvée. Donc, au fond, comme si tout ça n'était pas si réel. J'aime bien le théâtre japonais, pour tout vous dire, et les formes issues du no. Alors ça m'a inspiré pour deux raisons, parce que je me suis dit, ah, ce serait peut-être pas mal de mettre en scène au fond des êtres qui sont morts et qui reviennent nous parler à nous, les vivants, pour nous raconter leur histoire si, si magnifique et si douloureuse. Alors j'ai trouvé juste un signe qui était très simple, vous verrez, ils sont tous pieds nus, tout le temps. Parce que je me suis dit, tiens, c'est peut-être une manière, dans le théâtre oriental, on signifie les morts parfois de cette façon-là. Alors c'était un petit emprunt à la dramaturgie asiatique. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Oui, elle va ici. Mais c'est ça, j'ai pas fait ça. C'est là que je suis pas fait. Non, ça va. Ah oui, c'est ça, dans une phrase. Mais après, j'ai mangé une phrase et du coup. Ok. Non, pas, je peux pas le faire. Faisons noir sale, plein feu sur la fosse, je rentre les Michel, salut, là.